Moi ça va, regardez ce beau lit dans lequel je suis, est-ce que vous reconnaissez? Si je vous dis qu'il n'y a pas de volet à la fenêtre, vous reconnaissez? Donc j'ai dormi chez Maya parce qu'aujourd'hui on échange nos routines. Et Maya, il faut savoir qu'elle sort pas du lit avant 10h. Donc là, il est 9h33, je me fais chier comme un rat mort, j'ai les yeux grands ouverts depuis 40 minutes et j'attends d'avoir le droit de sortir du lit. Mais j'avoue que son lit il est très confortable. Donc, par contre j'ai des crises d'angoisse quand je vois l'état de sa chambre. Sachant qu'elle m'a dit qu'elle avait rangé, mais pour moi ça c'est pas rangé. Là elle, à cette heure, elle doit être 9h30, elle doit être en train de terminer la balade. La chance, enfin quoique la chance il fait pas très très beau non plus. Je me fais chier. Je sais pas si vous savez mais Maya elle a un chat qui s'appelle Bonnie. Moi j'ai très peur des chats. J'ai quand même envie que le chat il vienne. Je sais pas comment on appelle un chat. Bonnie. De toute façon Bonnie ça se voit il en a rien à foutre des humains. C'est le cadet de ses soucis. Il est allongé là. Il est trop chelou. Bonnie, il est beau mais il me fait peur. Oh my god. Je vais lui lancer une tatane. Mange. Tiens, Bonnie, mange. Ah. Je sais pas si j'ai le droit de sortir du lit pour te donner à manger. Je crois qu'il faut que j'attende 10h, Bonnie. Oh my god, il va me tuer. Mais Bonnie, t'es gros. Il est énorme. Et je trouve qu'il est très gros. Viens voir Tata. Oui, super, trop sympa, Bonnie. Mais vas-y, peu cher, je vais te donner à manger. Ta mère, elle m'a montré comment faire. Ah, elle me déteste. Est-ce que tu veux wet food? Wet food, wet food. Ouh. Les gars, je vais donner ça à Bonnie. Ne me touche pas. Mais je suis en angoisse. Bonnie, tu me touches pas, hein. Dis bonjour. Allez, non, viens pas vers moi. Voilà, pas bouger. Voilà, super. Non, arrête. Ah, c'est dégueu. Oh my god. Ah, ça pue. Ah, ça me dégoûte. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça? Vas-y, bon. Quoi? Ouais, elle me regarde mal. Mange, Bonnie. Bon app. Alors, quelle heure est-il? Putain, il est que 9h40. Les gars, il y a Anya et Ambre qui m'appellent. Je vous jure, je l'ai sonné. J'ai pas le droit de répondre parce que Maya, elle dort. Donc là, je dors à cette heure-là. Je vais leur dire quand même. Je dors. J'ai trop faim, j'ai trop la dalle. J'ai envie de boire un café, mais je sais d'avance que Maya, elle boit pas de café. Donc j'espère qu'elle mange. Qu'est-ce qu'elle pourrait manger, Maya? Peut-être un truc anglais, un peu dégueu, mais j'ai tellement faim que c'est ok. Je vais lire le planning. Vous avez vu le pyjama de Maya? C'est merde, je sais plus comment ça s'appelle. Hey Shippy, good morning. Alors le matin, moi je me lève vers 10h parce que j'avais mis un réveil à 8h, mais je dors tellement profondément que je le rate malheureusement toute ma vie. Donc réveil 10h en retard, toute la France m'a déjà appelé, c'est l'angoisse. Au réveil, je donne à manger à Bonnie et après je lui parle. Je vais pas parler moi. Bonnie, viens parler Bonnie. Bonnie, il faut qu'on parle. Mais je sens qu'il veut rester avec moi, mais... Ouais non, il est parti. Oui, viens. Viens. Ah. Oh non, y a pas de poignée. Vous croyez qu'il me voit comme un gros bout de saumon? Pourquoi il se lèche les babines en me regardant? Ah, je sais ce que je vais faire, regardez, je vais miauler. Bonnie, t'es prêt? Suite du programme. Oh my god. Je vais péter un câble. Le matin, moi, je mange pas, j'aime pas, ça me donne envie de vomir. Je mange pas, je range ma chambre pour bien commencer ma journée. Et je cherche une tenue. Je t'envoie la photo d'une tenue que tu vas porter aujourd'hui. Essaie de la trouver. Parmi mon bordel, lol, tu vas comprendre pourquoi je suis toujours en retard. Je vous fais une petite vue d'ensemble de la chambre. Elle a rangé il y a 2 jours. Vous savez, elle l'a mis par couleur. En vrai, ça va. Par contre, je suis au paradis là. Regardez-moi tous ces sacs. Oh my god. Donc, vue d'ensemble. Waouh, encore un peu de bordel. Et le grand miroir. Je pense que je vais commencer par ranger ma chambre. Enfin, la chambre de Maya. Et je m'habillerai après. Où vais-je vous installer? C'est bien là. Ouh. Aïe. Ah, mon petit doigt de pied. Ah, je me suis fait trop mal. Je m'attache les cheveux. Et c'est parti quoi. En fait, je sais pas par où commencer. Je pense que je vais commencer par le tout ce qui traîne par terre. Je vais plier un peu les vêtements. Je me sens inutile là, je peux du tout quoi faire. Je pense que si son dressing il était très bien rangé, ce serait le dressing de mes rêves. J'ai vu toutes les fringues qu'elle a. Impossible que je reparte avec 2-3 trucs. Oula, c'est quoi ça? Oh, c'est joli. Oh là là, mais j'avais pas vu.
Alors ça c'est trop stylé, j'adore. C'est trop satisfaisant ça. Oh non, ça c'est mauvais signe quand tu tires un tiroir et que le deuxième, celui du dessus, il s'ouvre aussi. Ok, attendez. Il y a une valise qui est pas défaite, ça je comprends pas. C'est quoi ça? Ah regardez, un zip sur le cul. Ah c'est un faux. C'est pas j'échange ma vie avec ma adorable, c'est je range la vie de ma adorable. Alors je comprends pas l'idée, je comprends pas si c'est genre t-shirt avec t-shirt ou si c'est un tiroir fourre-tout genre. Je viens de passer vraiment 30 minutes à ranger toutes les jupes et les robes de Maya. Et on dirait que c'est pas rangé le tiroir. Deuxième tiroir, pas mal. Maya, elle a du café sur son mur. Une petite lingette. Bon bah voilà, ça va un peu mieux parce que là j'ai le blues de pas avoir réussi à tout ranger. Maya elle m'a envoyé cette photo et elle m'a dit tu t'habilles comme ça. Genre il faut que je mette cette jupe et cette chemise. Mais les gars, comment je trouve ça moi? Je vais faire un cache-cache avec ces vêtements là? J'ai la jupe. Jupe check. Chemise. J'ai les deux pièces principales de la tenue. C'est parti. Wouhou! Alors là, je suis splendide. Non, je rigole, je suis pas du tout à l'aise. Vous trouvez pas que j'ai l'air un peu trop grande pour cette tenue? Dre un Sims. Mais en vrai, ça va, sympa. Et regardez, je me suis permise de rajouter une petite touche. Très maladorable, le petit serre-tête. Très Blair Wild. Rien du tout. Make-up et cheveux, essaie d'utiliser le hair wrap et mets beaucoup de bronzer. Ça, je sais faire. Donc, c'est parti, mon kiki. Regardez cette trousse à maquillage. Wow! Je vais mettre un peu tout ce que je trouve et beaucoup de bronzer. Ah, putain. Ah, une bouteille de coca. Ça me fait pleurer. Moi, il me faut de l'anti-cerne, mais elle a pas de cerne. Donc, c'est sûr que. Ah, si. Mais on n'a pas la même couleur de peau. J'ai faim, j'ai vent qui gargouille. Ensuite bronzer. Donc je vais en mettre beaucoup, mais moi je vais briller avec ça. Oh là là, j'ai une grosse tache. Oh là là, j'ai chargé là hein. Bon c'est pas grave parce que Maya elle charge aussi. Et je vais tacher sa chemise là. Un peu de blush. Les gars, je crois qu'elle a pas de poudre. Je ne peux pas ne pas mettre de poudre. Je vais les sourcils fixés. En vrai, je mets un peu moins de bronzer, mais sinon avec Maya, en soi, on se maquille pareil, donc c'est plutôt pratique. Mascara. Oh, les gars, il y a Bonnie. Coucou, mon Bonnie. Ça y est, tu m'aimes maintenant? Mais je sais pourquoi, parce que là, ils pensent que je suis Maya. Bonnie, reviens. Oh là là. Quel monstre. Je me suis jetée sur le tapis pour toi, Bonnie. On passe aux cheveux. Je suis dans la salle de bain de Maya. Il y a Bonnie, il comprend pas qu'est-ce que je fous chez lui. Attends. Oh putain! C'est quoi? J'arrive trop bien! Les gars, trop beau. Trop beau, je suis trop forte. Et hop, le petit serre-tête de Maya. J'adore. Par contre, ma peau qui brille, ça me fout la mort. Pourquoi elle a pas de poudre? Qui n'a pas de poudre? Allez, nouvelle tentative. Ok les gars, maintenant il faut que je fasse le poké. Et Maya elle me dit soit tu commandes, soit voici la recette. Mais vraiment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce qu'elle me dit après on a rendez-vous chez Maybelline avec l'équipe. Donc prends ta trotte, il y en a pour 30 minutes de trajet. Vraiment j'ai pas le temps. J'avoue que ça m'arrange bien, mais du coup je vais commander un poké. Et voilà, moi je suis contente, j'aime bien les pokés. Je vais commander sur Shift mon petit pokéball. Base riz, saumon, avocat, tomate cerise, pas d'oignon. Parce que Maya elle aurait pas mis d'oignon. Ok, arrivée prévue dans 30 minutes. Et là il faut que j'aille mettre le colis Vinted de Maya, cette grosse conne qui a la flemme de le faire. C'est moi qui me tape ça. C'est parti. Oh, les gars, je me suis fait tuiler mais jusqu'au bout quoi. J'envoie un message à Maya pour lui demander où est son imprimante parce que je connais pas chez elle. Et elle m'envoie, ah oui j'ai pas d'imprimante donc le colis Vinted il faut imprimer au point relais. Elle m'envoie le bordereau. En plus j'ai la phobie, je suis timide, je déteste ce genre de truc, ce genre d'action où vous dire bonjour, est-ce que je peux utiliser votre imprimante? Bisous Bonnie, je vais mettre le colis, je reviens tout de suite. C'est l'enfer, je me sens à poil, j'ai l'impression d'être nue, il fait même pas beau. Bonjour. C'est joli toi. Non, j'aimerais envoyer ce colis s'il vous plaît, j'ai besoin de l'imprimante aussi pour le bordereau d'envoi. Non, il faut que j'imprime aussi. Je vais voir. Ça a marché? Génial. Merci beaucoup. Tada! Voilà, je me suis installée, j'ai l'impression de squatter chez quelqu'un, c'est exactement ce que je fais. Il y a Bonnie qui me tourne autour et me calcule juste parce que j'ai de la bouffe. Je sais pas si j'aime trop. Je suis appelée Anya. Pardon, je parle à bouche pleine. Ouais, bête. Ça va? Ça va et toi?
Ouais. Tu sais qui je suis aujourd'hui ? C'est Maya. Exactement. Je dois travailler sur quoi là ? On a un concept YouTube qui va sortir très bientôt. Il faut aussi qu'il t'achète le cuisson. Je crois qu'on avait dit. Mmh. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais au truc Maybelline là, tu sais, mais je voulais savoir comment ça se passe. Comment ça, c'est un rendez-vous ? Est-ce que tu vas être avec toutes les autres ambassadrices ? Il y a qui ? Anna. Ah, trop cool ! Ouais, il y a Anna. Ok, trop cool. Ok, merci Anya. Bon bah à toutes. Bisous à tous. Je vous jure les gars, j'ai encore envie de ranger la chambre. Genre, ça m'énerve parce que ça fait une semaine que je fais la belle en disant bah là je vais ranger ta chambre et tout et j'ai pas réussi. Donc je reste un peu sur ma faim. Donc avant de partir au rendez-vous, je vais essayer. Ouais, c'est ça. Donc 14h, rendez-vous chez Maybelline. Prends ta trottinette, il y en a pour 30 minutes de trajet. Et à 17h, sport avec un coach parce que je suis incapable de m'y mettre seule. Trop bien en vrai ça. Et 18h30, café avec mes copes. Non, mais alors ma journée n'est pas du tout terminée. Ah ouais, elle a même pas commencé. Je vais aller chez Maybelline. Donc je vais aller en lime parce qu'elle m'oblige à aller en lime. Je déteste. J'aime bien les vélos, mais les limes ça me saoule. Je vais dire au revoir à Bonnie. Oh my god. Mais où il est Bonnie? Je le trouve pas. Bonnie? Coucou. Oh, tu me dis au revoir? Bonne journée. Mmh. Hop. Bisous Bonnie. Là j'arrive au rendez-vous, j'avoue je suis un peu stressée parce que genre bah, je suis pas invitée à la base, c'est un peu stressant. J'ai mis 1000 ans à trouver un endroit où garer la trottinette à Paris, c'est trop chiant. Enfin, c'est bien mais il y a des parkings de trottinettes, du coup bah, quand tu connais pas tu mets 1000 ans à se garer. Donc, voilà, mais là en vrai je suis pas trop stressée parce que je vais retrouver Anna. Anna, on a retrouvé les bandes licornes. Tu sais qui je suis aujourd'hui? Bah, c'est Maya. Oui. Tu avais remarqué? Oui. Ah, ah oui, attends. Parce que là, elle passe sa journée à ma place. Ah. Ok, maintenant, je vais à la salle de sport car Maya m'a pris un rendez-vous avec un coach. Maya, elle s'est pas foutue de ma gueule, j'ai une salle de sport. Regardez, on dirait une chambre d'hôtel. Bon, allez. Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings are cruel. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you. Because I head tall like I'm on my tiptoes. Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money? Yeah, look, I just need the info. C'est trop bien. Je parle pas fort parce qu'il y a des gens à côté, du coup ça me gêne. Mais là, du coup, je vais me remponner, me doucher dans cette magnifique douche, me rhabiller et je rejoins Maya et ses copines, enfin ses copines, et après Maya nous rejoint au bar. Je suis trop contente et un peu stressée parce que je les connais pas, enfin je les connais d'Insta quoi, mais je les ai jamais vues. Voilà, c'est vrai. Maya, elle va arriver. Ça fait combien de temps que vous êtes copine avec Maya? Alors, la primaire, donc elle, ça fait depuis la première. Ah oui, 14 ans. Ah oui. Moi, ça doit faire 10 ans. Moi, ça fait que 4 ans. Selon vous, c'est quoi le plus gros défaut de Maya? Moi, j'en ai un qui est un défaut et une qualité, c'est que des fois, elle déborde d'énergie. Ah, et du coup, genre, elle veut tout faire en même temps, ouais. Et elle se laisse déborder partout. Et... Qui voilà? Pour qui là? Coucou! T'es belle! Alors, c'était bien? Bah ouais, et toi? Horrible! Ah, oh, t'es lourde! T'es fatiguée? Ah, mais horrible! Ce matin, 8h! J'ai marché!
Alors moi j'ai kiffé, j'ai pas kiffé attendre 10h pour sortir du lit. Mais j'avoue c'est bien parce que j'ai pris un peu le temps, tu vois. Ouais, j'ai pas réussi à rentrer. Ah ouais, t'as vu? Franchement c'est pas moi, hein. C'est ma chambre qui veut pas se ranger. Ça m'a appris à me lever plus tôt. Tu vas le refaire? Ouais. Je vous fais des bisous, gros bisous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et moi j'ai hâte de récupérer ma veste. Allez bisous. C'est lourd.